Mec, ce soir c'est carrément incroyable. Salut à tous, ici Skilo, El Padre, et on se retrouve aujourd'hui pour Niska, que je sais que t'apprécies pas trop, mais allez, on va encore lui laisser une chance. Oui, il y a certains rappeurs, tu sais, que je suis pas allez, grand fan, hein, tu sais, comme bon, Booba, Damso, bon, Niska, mais bon, parfois aussi, ils nous sortent quand même l'une ou l'autre belle musique, quoi. Voilà, surtout que là, ça faisait un petit temps qu'il avait rien fait, donc il revient, peut-être pour ton plus grand plaisir. Du coup, le titre, c'est « Chargé ». C'est de quoi il parle? C'est vague, hein. C'est vague? C'est pas ce qui est chargé. Faut pas l'innocent, hein. Bah, une batterie. Une batterie? Une batterie de voiture. Ah ouais? Non. C'est pas ça. Non? Non. Bah, peut-être complètement pompette? Non, pas drogueux, du tout. Drogueux? Non, ça non, rien pas. À ah bon? Une arme. Oh, une arme. Ah ouais, une arme chargée. Oh, mais c'est interdit, hein. C'est interdit, c'est pour ça que je pense que. Ah bah, il est dans l'interdit. L'interdit attire, comme on dit. Ouais, surtout pour les rappeurs. Du coup, on va se lancer ça tout de suite. C'est parti. Ah ! Oula, ah, c'est déjà... De la baie ? De la baie ? Mais il est chargé, là, hein ? Et on sait pas qui est dans le plastique. Un ennemi ? Un ennemi. Allô ? Trafiquant comme Pablo, par amour. C'est nous les hommes. Je fais 50 balles par semaine. En cartage, film du jeûne. Je baisse les keufs comme jamais. Les enveloppes règles les ennuis. Les coups de feu comme les ennemis. J'ai perdu quelques années. Mais nique sa mère comme jamais. Mais chouche. Tu veux la vie de Tony, mais faut les couilles qui vont avec. T'as jamais tiré sur lui, tu nous racontes de la merde. Tu veux la vie de Pablo, mais faut les couilles qui vont avec. T'as jamais vu, il est fier, hein. Tu nous racontes de la merde. Reste à trophée, hein. Ça met comment il danse? Oh my god, j'ai du sang sur ma fesse. Fuck la haine. Faut toujours que je gratte ma pièce. Tu veux la vie de Tony, mais faut les couilles qui vont avec. T'as jamais tiré sur lui, tu nous racontes de la merde. Tu veux la vie de Pablo, mais faut les couilles qui vont avec. T'as jamais vendu la coke, tu nous racontes de la merde. Chargé, plus vite, shooter, shooter. Chargé, plus vite, shooter. Ah, il va effacer les traces. Il traîne comme un chien. Ouais, vraiment. Mais il est fort, hein, parce que pour traîner un corps comme ça... Fort à corps, ça. Il a récupéré ses baskets, hein. Ah oui, il récupère... Ah, c'est ça. Toutes les paires de baskets, là. C'est sans doute pour ça qu'il les tue, quoi. Pour récupérer les... Ah oui, comme ça, il a pas à les acheter. Voilà. Du génie. C'est des sortes de trophées, quoi. Regarde bien tes baskets, hein, qu'elles soient pas trop stylées, parce que sinon t'inquiète qu'il est à l'affût. Hein. Tu portes quoi comme basket, toi? Oh non, de bêtes. Tu portes pas des Yeezy au moins? Non, non, c'est des bêtes baskets qui valent rien. Non, ça va, donc il viendra pas à tes trous. Non, justement, c'est pour ça. Mais là, franchement, je crois qu'il a pété les plombs, là, franchement. Bah, c'est sa routine. Quoi, de se trimballer comme ça avec un corps? C'est la vie de cité. C'est vrai qu'il peut parfois avoir des ennemis, mais de là, les trimballer dans la rue... En fait, il avait une arme chargée, il a déchargé sur le cadavre, quoi, si tu veux. Enfin, il n'était pas un cadavre, il est devenu, tu vois. Ah bah oui, il est à cause de l'arme chargée. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas qui c'est, hein. On s'en fout, hein, c'était un ennemi. Ah oui, moi, ça m'intéresse quand même. C'est vrai que c'était un ennemi, mais qui? Un méchant. Qui? Un méchant. Ouais. Mais bon, en ce qui concerne la musique, c'est vrai que c'est quand même... ça manque légèrement de mélodie, quoi. Bah ouais, mais voilà, c'est un espèce de petit retour aux sources, j'imagine, de sa part. Même si, dans un sens, je trouve que, bon, c'est encore une fois la même recette. T'es très hard dans la voix, dans les couplets, et puis le refrain un peu non, mais plus mélodieux, il a quand même. Il a quand même évolué. Parce que, allez, il se trimballe dans la rue avec un corps, là, je sais pas, hein. Ouais, le clip est intéressant quand même en soi. C'est comme s'il était parti à la chasse, tu vois, et qu'il ramenait le gibier. Un trophée.
Non, mais bon, je suis pas vraiment allez, fan de ce genre de musicalité, de toute façon. Hein, donc, ça me donnerait pas envie de revoir la vidéo et de réécouter. Hein. Et le bruit de l'arme, ça fait boum, là. Ouais, à la rigueur, ouais, le bruit de l'arme, ça oui. Ce qui conclura la vidéo sur Niska. Bon, je crois que tu vas jamais l'aimer. Je crois que c'est fini. Je crois qu'il faut couper les ponts, en fait. Attention, parce que regarde Damso, hein, qu'est-ce qu'il nous a fait là, hein. C'est un album Love, hein, donc tu vois... parce que je critique pas, non, je critique pas la voix, hein, mais je critique le fait que c'est, pour moi, du rap qui est un peu trop violent. Ouais, mais je sais pas s'il fera de la douceur un jour ou l'autre. Hein. On a déjà fait en soi, mais bon, même ça, t'aimes pas, je pense. Donc, je crois que c'est fini. Mais comme je dis souvent, hein, tu sais pas non plus aimer tout le monde, hein, c'est pas possible. Hein, autrement, on va croire vraiment que je raconte des cracks, quoi. Mais ici, c'est vrai qu'il y a parfois des rappeurs aussi qui ont, je veux dire, un rap aussi, un peu plus compliqué. Mais malgré tout, ils ont une voix aussi puissante et qui passe bien, quoi, que j'apprécie justement la voix. Mais ici, la voix, non. Et bon, le clip, pas vraiment. Et voilà, c'est un peu trop lugubre. Hein. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit like. Et on se capte la prochaine fois. Ciao!